Mesdames et messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le premier épisode de Palladium V6.6. Et aujourd'hui les amis, on va découvrir ensemble un petit peu les ajouts qui ont été faits. Donc voici une première séquence de moi qui découvre les premiers ajouts. Première chose que j'ai vue quand je suis arrivée, il y a le toggle sprint, les FPS, les CPS, la reach et LMB et RMB. Par contre, je sais pas du tout ce que c'est. Et ensuite une séquence que j'ai tournée juste avant qui s'est vraiment pas passée comme prévu. Enfin, je vous laisse voir. Du coup les gars, premier sort qu'on va tester, ça va être le sort... Attends, c'est quoi les sorts que j'ai testés sur le jeu? Ok, c'est bon, je l'ai. C'est trop bizarre. Bref. Oh, il y a des lucky blocks qui sont apparus. T'as vu ou pas? Y'a rien. Sur la tête de ma mère, maintenant il y a eu un truc. Oh, y'a rien. Mais arrête, y'a des structures qui sont apparues ici. Du coup les gars, je nous ai trouvé un petit cobaye pour tester les sorts. Du coup les gars, quatrième sort qu'on va tester. J'ai dit quatrième sort parce que de base je voulais mettre une autre séquence avant où je testais les trois premiers sorts. Mais comme expliqué, ça s'est pas forcément passé comme prévu. Ça va être le sort répulsion. Donc ça permet de repousser tous les joueurs aux alentours. Débloquer pour 2 points. Ok, tier 1, tier 2. Comment est-ce que je l'utilise maintenant? Ok. Et là... Bah c'est nul, mais ça a rien fait. Ça fait quoi? Bah j'ai fait le sort. Pourquoi c'est claqué comme ça? Ensuite, Gravity lance un projectile si celui touche un joueur. Vous n'avez pas assez de points. Comment ça j'ai pas assez de points? Mais si t'as utilisé tous tes points, tu peux pas le... Mais j'avais juste 5 points de base, frère, j'ai utilisé pour un seul truc. T'avais que 5 points, c'est pas possible, t'as payé les sorts en même temps. Payé quel sort? C'est pas possible, t'avais 19 points de base, 18, 28 peut-être. Non, de base j'avais 5 points. Et je l'ai stompé. Du coup, comme rien n'a marché comme prévu, j'ai pas eu les points qu'il fallait, les sorts n'ont pas fonctionné, mon jeu buguait de ouf, donc je crois que je vais laisser tomber pour l'instant pour les sorts. Enfin, je veux dire, là, honnêtement, je sais pas quoi faire, quoi. Du coup, comme rien n'a marché, on va passer sur autre chose et peut-être qu'on reviendra à ça plus tard dans l'épisode. Et donc, qui dit du plus classique dit du farm. Du coup, je vais prendre les likes d'il y a 2 épisodes. Vous aviez mis 57 likes. Du coup, je vais farmer 57 Tiwanocides. Comme ça, on va se faire un petit peu d'XP. Donc, c'est parti. Et je vous rappelle que si jamais tous les likes, je farme une Tiwanocide pour nous aider à arriver le plus vite possible au niveau 20 farmer. Du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez qu'on arrive le plus vite possible au niveau 20 farmer. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, une petite activation de cloche. Sur ce, je souhaite un très très bon visionnage pour la suite. Ok les gars, on se retrouve entre deux crashs. Parce que faut savoir qu'en fait mon jeu il crash toutes les 2 minutes. Là c'est pas une expression, c'est vraiment du chronomètre. Au bout de 2 minutes il crash. Donc c'est un enfer pour record, pour farmer, pour tout faire. Enfin bref, j'essaie de me débrouiller pour que ça se ressente pas trop au record. En tout cas les amis, hier soir j'étais tranquillement sur mon téléphone et j'étais en train de réfléchir à un petit concept cool de ce que je pourrais faire avec vous sur Palladium. Et j'ai eu une idée et ça s'appelle question pour un abonné. Et là vous allez me dire, Poké, mais qu'est-ce que c'est question pour un abonné? C'est simple. Je fais des annonces quand j'ai besoin de certains d'entre vous pour un tournage et j'en prends un au hasard parmi ceux qui me répondent. Aujourd'hui, c'est tombé sur Zeroz, donc on va l'accueillir juste après. Mais d'abord, je termine de vous expliquer le concept. Je vais tout simplement vous poser une question, une devinette pour tester votre culture générale. Et si jamais vous répondez juste, vous pouvez avoir entre 1 000 et 5 000 $. Et c'est pas moi qui vais décider combien est-ce que vous allez avoir, mais c'est Google qui va choisir un chiffre entre 1 et 5. En vrai, c'est très simple. Je rentre ces deux valeurs-là, je fais générer et voilà. Là, par exemple, la personne aurait eu 4 000 $. Donc voilà, je pense avoir été assez clair. Donc c'est parti, on va tout de suite accueillir Zeroz. Allô, allô, tu m'entends? Ouais. Ça va? Ouais. Ça va, ça va. Alors, je t'explique. En gros, viens, on spawn du Lineria. Faut un petit peu que tu bouges la tête, etc. pour que je puisse voir que tu triches pas. Ok, je pense que c'est pas trop dur. T'as quel âge? Ça te dérange pas de dire qu'on voit à peu près... J'ai 13 ans. Ok, alors du coup, ouais, je pense. En vrai, tu l'as quand même déjà vu en cours. Il y a combien de régions en France? Je te laisse 10 secondes. Je dis 11, je sais pas, 11 régions en France? Non, vas-y, je te laisse un deuxième essai. C'est fini. Attends, vas-y, donne ta réponse. 20? C'est ta dernière réponse? Ouais, c'est 20. Ok, alors, même moi, j'ai pas cherché combien de régions en France. On va voir ça. Et en plus, c'est en 2020. Il y a le grand test qui a réuni 3 régions. Du coup, ça te réduit un petit peu. Et maintenant, il y a 13 régions. Donc, en vrai, avant, t'étais plus proche, c'est de ma faute. Mais dans tous les cas, t'avais pas bon. Donc, je suis désolée. Bon, et puis ensuite, il a décidé de me faire un petit don. Oh, wesh. Wesh, 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 wesh.
Bah merci beaucoup, c'est trop gentil. Et puis bonne journée à toi hein. Bon en vrai les gars, je m'attendais pas du tout à ça. Donc un grand merci à Zero, ça fait super plaisir. Attendez, on va quand même équiper tout de suite son cadeau. Là on est bien, enfin. Du coup voilà, c'est une courte petite séquence dans la vidéo. Mais ce que je vous propose du coup, c'est qu'il y ait un abonné qui passe par vidéo. Si ça vous plaît, dites le moi en commentaire. Et si jamais vous voulez être au courant quand j'ai besoin de l'un d'entre vous, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord et à me suivre sur Instagram. C'est là-bas que je fais les annonces. En tout cas les frérots, moi je retourne farmer les graines en palladium. Tout en continuant de cracher. D'ailleurs j'ai failli oublier de le dire, mais n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à laisser un petit pouce bleu et que de créateur Pokédragoff. Voilà, bon visionnage pour la suite. Bon les gars, comme je vous l'ai expliqué, je fais que de crash sur palladium, donc c'est impossible rien que de farmer. Du coup les graines, je les ferai pour le prochain épisode. Et pour terminer cet épisode, parce que je le trouve assez court, je vais vous mettre quelques petits moments drôles qui sont passés pendant que je recordais. Je vous souhaite un très bon visionnage. Et toi t'as le cooldown au-dessus? Mais oui, j'ai 10 minutes de cooldown. Oui, parce que je suis dans sa faction là. Putain, on est vraiment con. C'est dire là, faut que je trouve un autre cobaye ou alors je quitte la fight. Oh, merci Bébou. Je t'ai appelé Bébou là. Trop mimes. Il me rappelle pas comme ça. Je... Ok, Bébou. Je comprends rien. Comment ça marche? T'es débile. Mais non, mais avec les mains. Je vais pleurer. Ah, c'est bon. J'ai compris. On peut plus, attends, mais y'a rien, on va savoir. Est-ce que tu peux faire un test de la IQ? Attends, tu veux que je le fasse? C'est quoi au montage? Je mets mon test de QI. Okay. Je n'ai qu'une parole, test de QI. Commencez le test, c'est parti. Attendez, attendez, wesh, j'ai pas eu le temps là. Quel objet n'y figure pas, Zappy? Un nuage rempli avec de la neige? Non. Ok. 62, 53, 80, 44, 17, 35, 08, 71, 26, 62, 53, 80, 44, 17, 35, 08, 71, 26. 35, 71, c'est 45. Quel est l'intrus? Bah oui. Quelle lettre dans le tableau se trouve juste en dessous de la... Alors déjà, faut calculer. En fait, là, faut juste trouver la 21e lettre de l'alphabet. A, B, C, D, U. Donc c'est le cas. Quelle lettre dans le tableau est en dessous de celle qui est à droite, de celle qui est au-dessus de la 24e lettre de l'alphabet? Attends. En dessous de celle qui est à droite. En dessous de celle qui est à droite. Bah c'est Q, c'est Q. Cette figure subit une symétrie horizontale puis verticale. Symétrie verticale puis horizontale. Si on roule à une vitesse moyenne de 1500 mètres en minute, combien de temps me faudra-t-il pour faire 9 km? 9, donc 3, 6, un sixième d'heure. En fait, tu fais le double et tu rajoutes 1. 24 fois 20, 49. Quel est votre âge? C'est bon. J'ai tout niqué! Vous avez une intelligence supérieure! J'ai joué, je suis trop chaude. Voilà, comme ça, si jamais il y en a certains d'entre vous qui veulent l'euro, est-ce que j'ai eu faux, vous avez juste à faire pause. Bon, en tout cas, les frérots, moi, j'aurais bien rigolé. Et j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Voilà, c'est une vidéo qui change un petit peu d'habitude, comme je dis sur Insta. Il y a eu du best-of, il y a eu de la découverte, il y a eu du farm. Donc, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Par contre, ces bugs de chunk, j'en peux plus, ouais. Je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Du coup, les graines seront farmées dans le prochain épisode, comme dit, parce que c'est impossible. Mon jeu crache toutes les deux minutes. Venez me suivre sur les réseaux sociaux, rejoignez le Discord qui est en description. Code créateur Pokédraco dans la boutique Fortnite, on l'oublie pas celui-là. Sur ce, les frérots, c'était Pokédraco. On se retrouve dimanche pour le deuxième épisode de All the Mode 5. Voilà, des bisous. Mouah.